Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur une petite vidéo de Farming Simulator 2015 sur PS4. Du coup, je voulais vous montrer sur cette vidéo comment se faire un peu d'argent facile, enfin sans trop d'efforts. Du coup, en fait, vous allez au niveau de la scierie. Ensuite, il faut acheter des arbres. Sur ici, tac. Nous on prend les peupliers parce qu'ils sont pas trop chiants. Ensuite, vous les placez le plus près possible. Tac. Donc moi je fais une bonne rangée tout du long là. Bon, je dois en mettre une petite vingtaine à mon avis. En fait, du coup, ensuite, il faut couper les arbres et prendre deux bons véhicules qui ont pas mal de chevaux. Je dis deux parce que c'est mieux de le faire avec un pote en ligne. Parce que souvent, on reste bloqué, enfin, on n'arrive plus à pousser. Et bah là, tu dis à ton pote d'aller à pleine balle dans les arbres pour t'aider à pousser, et puis bon, ça marche nickel. Donc voilà, bah mon pote lui il a le camion, il y a des chevaux, hein. Moi j'ai pris un tracteur Noyoland là, pour le bois. Du coup il y a des chevaux là-dedans aussi. Donc voilà, on a planté tous les arbres. Maintenant, on coupe, je coupe une dizaine en général d'affilée. Après, je vous le conseille vraiment parce que c'est un bon jeu. Par contre, en solo, vous allez vous faire chier, je pense. Moi, je joue que en ligne avec mon pote Raoul. Et ouais, c'est vrai qu'on se fend bien la gueule. C'est marrant. Surtout quand on fait du bois parce que nous, on conduit un peu à la one again, donc. Voilà quoi. Bah, je vous laisserai admirer notre conduite tout à l'heure. Et après, c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de progrès parce que dans le 2013 qui était sur PS3, c'était nul à chier. Les graphismes étaient vraiment nuls. Bon, là, vous me direz, c'est pas le top non plus, mais c'est mieux. Les tracteurs ont été refaits vraiment de A à Z. Ils sont vraiment très bien faits. Hop. Bon, vous voyez, là, ils foncent dedans pour les pousser. Voilà, moi c'est celui-là que j'ai pris. J'ai pris la fourche, mais au final elle me sert à rien parce que je l'utilise jamais. Voilà, vous foncez au taquet dedans et. Mais bon. Quand il y a un bon paquet d'arbres comme ça au même endroit, c'est un peu tendu, hein. Après, sinon, il y a une autre technique pour gagner de l'argent facile avec le bois, pareil. C'est en fait juste en face de là où je suis à la scierie, il y a un train. Et en fait, à côté du train, il y a un carré sur le sol. Et il faut. Bon, en gros, faut prendre le camion avec la remorque pour le bois. Et faut emmener la remorque sur ce carré. Et ensuite, par contre, ça c'est un peu débile.
En fait, faut réinitialiser la remorque et ensuite aller vers le bois parce que vous allez voir, le bois il va rester en l'air au-dessus du carré en fait. C'est un gros délire le truc. Et ensuite, faut aller vers le bois et le toucher avec avec votre bonhomme. Et le bois va tomber sur le carré et ça va être vendu. Il part dans le train en fait. Essayez, c'est vous allez voir, c'est un gros délire. De toute façon, je ferai une vidéo pour vous montrer. Et ensuite, c'est pas fini. Là, vous avez gagné un peu d'argent, mais enfin un peu, pas mal même. Mais après, il y a à côté du train, il y a une manivelle à actionner qui fait partir le train en fait. Et quand il passe dans le tunnel, je pensais quand il arrive au bout du tunnel, truc comme ça, et ben vous gagnez encore de l'argent. Mais là, vous gagnez vraiment pas mal quoi. Bon, après, c'est plus long à faire, mais bon. Du coup, bah, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer ça. Je vous ferai des petites vidéos aussi pour vous montrer un peu les types de véhicules qu'il y a, je pense. Je vous ferai peut-être une petite visite de la map aussi. Bon, après, il y a deux maps, mais l'autre, j'y joue pas. Parce que elle était déjà sur PS3. Celle que dans laquelle on est là en ce moment, c'est une nouvelle. Et franchement, elle est sympa. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire encore? Bon, je pense que j'ai fait un peu le tour. Bah pour l'argent facile, voilà, nous on est arrivé à 1 million en vraiment très peu de temps. Donc c'est assez rentable. Mais je vous le conseille de faire à deux ou même plus qu'à deux. Hein. Plus on est, mieux ce sera, hein, je pense. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à plus tard. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, et à faire des suggestions. Voilà. Je vous dis à plus tard. Salut tout le monde et bon jeu.